Bonjour à tous et à toutes. Hello, hello, mes chers amis. J'espère que vous allez bien. Donc, on va poursuivre les tirages du mois de février 2022. Ce sera le tirage général et on va regarder pour quel signe. Donc, tirage général, c'est juste la partie de ce qui va vous arriver, les prévisions pour le mois de février. Et la seconde partie, donc la vidéo complémentaire, sera sur l'amour. Qui viendront après ces vidéos. Alors, ce sera pour les Gémeaux. Bienvenue aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. N'hésitez pas à voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous ne trouvez pas de résonance dans ce tirage. Et bienvenue sur les guidances de Shiva. J'ai de nouveau changé en fait la façon de faire les tirages. J'ai demandé si vous aimiez le petit Lenormand ou plutôt les oracles. Donc, je vais faire plus les oracles. Bienvenue sur les guidances de Shiva. Oui, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, cliquez la petite cloche en haut pour recevoir les notifications et la soutenir. Pour vous, c'est gratuit, mais ça aide beaucoup. Là, j'ai de nouveau des problèmes. Je ne comprends pas que j'ai 300 vues à la sortie d'une vidéo. Ça me surprend beaucoup, beaucoup. Parce que j'ai pas d'explication. C'est ça. Et c'est mon travail. Alors, je ne sais pas si c'est nouveau de la magie ou autre. On va regarder les énergies avant le tarot. Et oui, si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me demander par mail. Je vous réponds pour 3 jours pour votre guidance. Alors, on va regarder pour les Gémeaux aujourd'hui. Gémeaux, quel message pour le mois de février 2022? On a déjà une carte qui est sortie. On parle d'union spirituelle, de rencontre. Dame à âme, une rencontre importante au niveau de l'amour. Ouais, vous avez quelque chose. On va prendre celle-ci, la connexion ici au niveau de votre âme qui va sans doute, et peut-être certaines choses reviennent du mois de janvier, vous connecter à quelqu'un que vous connaissiez d'une ancienne vie avec cette carte, ces deux cartes. Soit ce sera une rencontre, soit vous allez être en contact avec une personne que vous connaissez bien, comme si vous la connaissiez depuis toujours. On peut parler qu'il y aura peut-être pour certains un couple qui va se former, il y aura une union, un mariage, mais vous êtes effectivement en connexion avec le chakra coronal, divin, à l'univers. C'est là où on est connecté justement à notre âme. Donc des messages spirituels, des connexions, des rencontres. Vous êtes connecté là ce mois de février, les Gémeaux, en tout cas ici avec une personne ou pour une union d'âme-sœur, flamme jumelle ou un parcours. Il y a vraiment quelque chose ici avec le chakra couronne. Et on verra pourquoi. A priori, ce serait pour une union, donc une relation de couple, une rencontre ou une union si vous êtes déjà avec quelqu'un qui peut être votre âme-sœur. Gémeaux février 2022. Et c'est fortement connecté à l'âme, peut-être à ce karma qu'on est beaucoup à vivre. Il y a beaucoup de nettoyage de karma. Hein. Donc, tout ce qui est ancien, nettoyer, 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 nettoyer. Et aller de l'avant, les retours, c'est non. Les Gémeaux, février 2022. Donc je prends carte d'énergie, ensuite le tarot et 2 oracles. On va faire plutôt comme ça. Alors l'équilibre. Qui est bien aussi en rapport avec votre signe, hein, la dualité ici. Et le soleil, vous allez avoir un joli mois de février, chers amis. Donc, le yin et le yang, ce sera aussi demander de trouver cet alignement intègre à l'intérieur de vous, d'allier toutes ces formes de caractère ou d'attitude que vous avez en vous. Peut-être ces choses qui sont duelles dans votre signe. C'est surtout une carte d'équilibre. Donc, on peut voir qu'il y a un retour à l'équilibre et surtout, il y a une énergie très, très forte. Comme un nouveau démarrage en ce mois de février, après les difficultés, il sera. Vous serez bien. Moi, j'ai l'impression que vous serez connecté, vous serez aligné. Il y aura des réussites qui vont arriver. Réussite pro, réussite amoureuse, bien dans votre peau. On voit vraiment tous les éléments qui vous font du bien, les fleurs, le soleil, le bain. Vous êtes bien, vous avez retrouvé la confiance.
Bien sûr, c'est la réussite des projets qu'on a envie ou auxquels on a demandé et cru. Vos croyances seront les croyances, les demandes que vous avez demandé à l'univers, ou les demandes que vous avez faites à l'univers vont être comblées. Avec le tarot pour les Gémeaux en février 2022, qu'est-ce qu'il va nous dire avec le tarot? Gémeaux, février 2022. Gémeaux, février 2022. Qu'est-ce qu'il y a en février pour les Gémeaux? Ok, alors la Lune, elle peut nous dire plusieurs choses. Comme elle est en pour, on nous dit d'écouter votre intuition. Par rapport à la suite, d'écouter votre intuition. C'est un conseil. Votre ressenti, votre voix intérieure, connexion à votre âme, à vos messages intérieurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Pas à votre mental. Qu'est-ce que vous recevez comme signe? Qu'est-ce qui va être présent sur votre chemin ce mois de février sera important. On voit que vous avez quand même un démarrage en route, ça peut être quelque chose que vous avez commencé le mois passé, vous avez mis en place déjà. Pour moi, c'est le passé proche. C'est pas encore, à mon avis, mis dans la réalité. C'est un commencement qui va se faire dans la réalité. Il y a quelque chose qui va prendre forme sous forme de couple, de travail, de projet, de déménagement, etc. En écoutant bien votre intuition, comment vous allez le faire. C'est dans la poursuite des mois précédents. Hein. Ce n'est pas pour moi en contre ici. Non. En contre, on dirait, c'est pas encore commencé, mais ce n'est pas négatif. Il est nécessaire d'abord d'être attentif à ce que vous ressentez pour commencer quelque chose de neuf. On a en dominante cette notion encore de se chercher. Donc, c'est possible que vous ne savez pas très bien maintenant. Peut-être en fin février, oui. Mais on voit avec ces deux cartes que vous cherchez encore. Qu'est-ce que vous voulez mettre? Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare dans l'univers hein, depuis un petit moment. Qu'est-ce que vous voulez mettre sur pied ben, pour la société, la communauté, votre don personnel? Qu'est-ce que vous allez commencer de nouveau? Est-ce que ce sera un nouveau départ dans une vie sentimentale, relationnelle, nouveau couple, nouveau projet, nouveau travail? Vous vous cherchez encore en ce mois de février, c'est ce qu'on me dit. Et super avec l'étoile, c'est magnifique parce qu'en fait, elle vous dit, ça je vais reculer pour qu'on puisse avoir le tarot ici. C'est magnifique parce qu'elle vous dit, je suis là en réponse, l'étoile, ce sera l'univers qui va vous guider aussi et votre intuition. Donc, je vous ai dit, écoutez votre cœur, votre ressenti, ce que vous voulez, plus comme dans le passé, et écoutez l'univers, ce qu'il a à vous dire, l'univers, les signes, les synchronicités, vous allez être protégé. D'accord? Vous allez suivre le chemin comme un peu, comme le petit poucet, il y aura des messages, des gens, des rencontres sur votre chemin en février pour vous guider un petit peu de là où on a besoin de vous. On va voir avec l'oracle du sixième sens. Alors, les Gémeaux pour le mois de février 2022, qu'est-ce qu'on a comme message? Gémeaux, février 2022, qu'est-ce qui se passe? Gémeaux, février 2022, n'hésitez pas à commenter, c'est important de savoir si les cartes résonne en février 2022 pour les Gémeaux. Février 2022. Il y a eu des mensonges. Alors, moi, je prends cette carte. Il y en a trop, mais il y a eu des choses. Ça, je me rappelle où vous vous éloignez de ces mensonges, de quelque chose qui était désuet, peut-être par rapport à l'argent. Je garde, bon, ces cartes parce qu'elles étaient quand même à la suite dans les cartes qui sont tombées. Mais on nous dit qu'il faut quitter l'état d'esprit si vous n'êtes pas toujours honnête avec autrui. Vraiment de vous éloigner
de cette attitude qui est désuète. Il vous faut changer, être plus en honnêteté, pas faire les choses par plaisir, pour faire plaisir. Gémeaux, février 2022. Nous sommes le 22. Aujourd'hui, c'est un jour portail. Très intéressant. Gémeaux, février 2022. Donc, je dirais, voilà, ce sera comme ça. 1, 2. Gémeaux, février 2022. On a la 5 cartes. Ensuite, on va continuer avec l'oracle de G. Quitter, quitter, quitter cet état de fausseté qu'il y a eu chez certains ou une fausse image que vous donnez aux autres. Je l'avais déjà vu. J'ai des gémeaux autour de moi qui portent un masque pour se faire aimer. Donc ça, il faut quitter. Pour un renouveau ici qu'on vous dit, hein, pour trouver cet équilibre. Il y a le renouveau aussi qui est là avec la carte numéro 1. Donc on voit qu'il y a un changement intérieur. Alors, ça peut être ici l'union intérieure, l'union de vos dualités pour ne pas être justement en déséquilibre, pour être vraiment unifié, d'accord? Ou il y a effectivement de l'amour qui vient en février, oui, il y a aussi cette notion-là. Je quitte l'état où je me suis menti à moi-même par rapport au passé, où j'ai pu peut-être mentir aussi dans une relation ou en menti dans une relation sentimentale. Toujours inverser les messages, hein, interchanger si vous avez besoin. Parce qu'on parle d'union spirituelle ici. On nous dit qu'on quitte cet état où on vous a menti ou on a menti. Il y a un nouveau départ qui vous est donné dans l'amour. Dans l'amour, oui. La passion même, oui. Pour une relation très forte, là je sens qu'il y a une rencontre très forte pour les Gémeaux. Une rencontre même de destinée, on pourrait dire. Pour une union. Donc il y aura, ici on parle de spirituelle union et union. Il y aura probablement, pour certains Gémeaux, peut-être pas tous, vous aurez certains la rencontre, d'autres vous allez vous unir officiellement. D'autres, il y aura peut-être une fiançaille, un mariage, mais vraiment parce que vous avez trouvé votre double, la personne qui correspond parfaitement à vous. Ben, c'est super, mais il faut vraiment se débarrasser de ça. Il y a l'équilibre, la personne qui vous comble, la personne qui vous comble. Avec le soleil, là, vous êtes dans un tirage d'amour. C'est très, très, très joli. Mais quittez ça, c'est vieillot, ça n'a plus lieu d'être dans votre vie, vous n'avez plus besoin de ça. Soyez vous-même. Alors, on va continuer avec un autre oracle. On va essayer de mettre les cartes droites. Donc, les Gémeaux, pour le mois de février 2022, puisqu'il vient à vous, Gémeaux février 2022. Ça glisse la première carte. Araignée du soir, espoir. On va dire comme ça. Hein? Je ne sais pas dans quel sens. Il y a de l'argent qui rentre. Il y a du bonheur. Il y a de l'abondance. Et il y a le soleil en double. Un très bon mois pour les Gémeaux. Gémeaux février. Vous avez repris sur les difficiles situations du passé. Vous avez repris courage. Vous avez la force ici aussi peut-être pour améliorer vos finances. Il y aura de l'argent qui va rentrer, je vous l'ai dit, les Gémeaux, plusieurs fois. Au niveau du temps, c'est difficile à dire. Ça peut être en janvier, ça pouvait être en décembre, mais ça va arriver. Après, les administrations, on ne gère pas, mais je vous le dis. N'hésitez pas après, en commentaire, me dire oui, c'est vrai, j'ai reçu de l'argent. Il y a comme un cadeau là qui arrive. Cet argent rentre dans votre vie comme un cadeau. Gémeaux. Et à la fin, et bien comme ici, d'une situation, un problème. Il y a la fin d'une situation, il y a une grande, grande transformation.
Donc, pour certains, on parle vraiment d'amour. Vous avez votre tirage amoureux ici. Si c'est, je sens pas forcément la notion de rencontre, mais oui, on peut aussi le voir. Nouveau départ, carte numéro 1, le soleil, le 1, le 1. Il y a le bonheur qui arrive. Il y a le soleil qui arrive en ce mois de février. Il éclaire votre vie sentimentale. Là, il éclaire aussi votre vie d'abondance ou rentrée d'argent. L'abondance en tout, l'amour, il y a une réussite, il y a des rentrées. C'est joli, hein? C'est joli. On va regarder après des conseils. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Triade pour les Gémeaux en février. Gémeaux, février 2022. Vous avez un magnifique tirage, on voit l'évolution. Superbe. Gémeaux, février 2022. Gémeaux, février 2022. Que nous dit la triade? Oui, on termine un cycle, on termine une partie de votre vie. Ce mois de février voit bien le nouveau départ. Un nouvel amour. Oui. La naissance d'une relation, naissance d'un projet, naissance d'un amour, d'une passion, d'un travail que vous aimez. Et on vous protège de là-haut, je vous l'ai dit, dans le tarot, là. Si vous ne savez pas trop ce que vous devez faire ou où aller, écoutez, je vous avais dit votre intuition et connectez-vous aux signes que l'on va vous montrer. À nouveau, cette notion d'équilibre que vous... Oh là là, trois fois le soleil, waouh! À nouveau, la notion avec l'eau, des émotions peut-être, vous allez être touché de ce changement, touché de cette rencontre. Mettre de l'eau dans son vent, c'est aussi l'intuition, être émotif. Elle sera très forte, hein. Connexion spirituelle très forte, hein, avec le chakra coronal qui sera ouvert, grand ouvert, vous serez vraiment connecté. Aujourd'hui, on est le 22, je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo spéciale pour le 22, ok? Et puis, j'espère que ça va vous plaire. Là, vous avez tout ce qu'il faut. Même, on nous dit encore une fois, le soleil, le départ d'une nouvelle vie, on éclaire, on te donne la chance, tous tes désirs sont accomplis, tu as l'abondance qui arrive, tu as l'amour qui arrive, extraordinaire. Là, on va terminer avec les conseils des guides, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire pour les Gémeaux, février 2022, Gémeaux, février 2022. Je vais en prendre 1, 2, 3. Tout dépend de toi. Dans les prochains mois, c'est le parfait moment. Alors, quelque chose qui commence maintenant, c'est le parfait moment, ce changement en février. Peut-être quelque chose va aboutir, qui peut être une union par exemple, ou une stabilité d'une profession que vous commencez maintenant, d'un projet. Mais tout dépend de toi, de comment tu gères les choses, comment tu prends les choses, comment tu agis. Vous avez toujours le choix, le libre arbitre. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage va vous plaire. Merci pour les vues, ou sinon, bah, vous m'expliquez, parce que moi je ne comprends pas. À tout bientôt chers amis, au revoir.